Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de voir un petit plan blues pour un blues en si majeur. Et ça va être un plan blues pour travailler les double stops, pour rajouter des double stops dans tes impros. Donc avant de commencer, je te rappelle que tu peux avoir accès gratuitement aux tablatures en t'inscrivant sur mon site. Donc pour ça, il suffit de suivre le lien que je te mets en description. Alors on va commencer ce plan blues en deuxième position de la gamme blues. Donc ici. Autour de la dixième case ici. Et on va terminer en première position, donc encore une fois pour un blues en si majeur. Donc autour de la septième case ici, notre première position de la gamme de si blues. Et on va rajouter une petite tierce majeure même, tu verras ça à la fin du plan. Donc on va commencer par le premier double stop. Donc ici, on va viser la 12e case corde de si et la 10e case corde de mi aigu. Et on va l'approcher par un petit slide, une case plus grave. Donc 11e case corde de si et 9e case corde de mi aigu. Et voilà, on fait juste un petit slide d'une case dans les aigus, tu vois. Et après, on remonte un peu. Enfin, sans aller jusque dans les tout au bout du manche, mais. Voilà, on fait un petit slide dans les aigus et dans les graves. Et la première, ici, quand on est en 11e case et 9e case, ici, c'est juste une petite appoggiature, du coup, ça dure vraiment pas longtemps. Ensuite, le deuxième double stop. Donc, on est encore en deuxième position. 9e case avec l'index corde de sol. Et 10e case corde de si avec le deuxième doigt. Et cette fois encore, je fais une petite appoggiature et je fais un hammer-on en 11e case, corde de sol. Donc encore une fois, quand je te dis que c'est une appoggiature, ça veut dire que cette première position, on ne veut pas entendre deux. On ne joue pas en deux temps comme ça. C'est tout, tout tombe sur le même temps en fait. Voilà. Donc ça c'est notre deuxième double stop. Ensuite le troisième double stop, on va viser la septième case corde de si et la neuvième case corde de sol. Et je te conseille de faire un petit barré ici entre la corde de si et la corde de sol sur l'index pour préparer la suite du plan. Donc ici mon index il barre les cordes de sol et de si en septième case et mon troisième doigt il va jouer la 9e case de la corde de sol. Et donc ce double stop, on va l'approcher encore une fois par un slide depuis les aigus. Donc deux cases plus aiguës. Donc en gros, mon index, il va démarrer sur la 9e case. Encore une fois, on fait le petit barré 9. 9 et 9 sur la corde de sol et sur la corde de si. Et 11e case avec le troisième doigt. Et on fait, encore une fois, c'est une appoggiature. Donc, cette première position, on ne veut quasiment pas l'entendre. Rythmiquement, ça n'existe quasiment pas. On vise vraiment cette position. Donc ça, c'est notre troisième double stop. Donc jusqu'ici, ça nous fait. Donc ça, c'est si tu le joues rapidement. Et tu vois qu'entre ce deuxième double stop et le troisième double stop, il faut faire vraiment attention à comment tu places tes doigts. Donc, ici, tu vois, je pars de cette position. Et après, je vais soulever mon deuxième doigt pour avoir mon mini barré avec l'index. Donc, il faut déjà penser à ce mini barré dès que tu fais cette position, en fait, si tu veux. Et une fois qu'on est là, donc une fois qu'on a joué ce troisième double stop, on va tout simplement faire un pull-off avec notre troisième doigt. Donc on est déjà sur cette position. Donc mon doigt se soulève, il fait un pull-off. Donc ici c'est un triolet. 3, mais je joue pas la deuxième note, c'est juste ma main gauche qui joue, en fait c'est un pull-off. Je joue
la tonique ici en 9e case de la corde de Ré. Donc. Et je termine ici avec un double stop encore une fois. Donc ici c'est la 7e mineure et la tierce majeure de ma tonalité. Donc que je vais jouer avec l'index en 7e case de la corde de Ré et avec le deuxième doigt en 8e case de la corde de Sol. Donc. Donc si je te le joue lentement, ça va nous faire. Donc voilà, c'est un plan qui n'est pas vraiment facile à jouer parce que voilà, c'est plein de double stop et au niveau de la main gauche, il se passe plein de choses. Donc bon courage pour ce plan. Encore une fois, si tu veux accéder aux tablatures, tu peux y accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut !